Salut les girls! La forme est-elle à son paroxysme pour vous aujourd'hui? En ce qui me concerne, c'est bel et bien le cas, car j'ai décidé de vous narrer un des mangas les plus réussis de tous les temps, j'ai nommé... Touch! Il était une fois, trois adolescents, Kazuya et Tatsuya, les jumeaux, ainsi que Minami. Leur amitié datait depuis l'enfance, et ce, même si beaucoup de choses semblaient les opposer. Notamment en ce qui concerne les deux jumeaux. Nous sommes les jumeaux de la famille Uesugi, et nous sommes voisins avec les Asakura. Chez les Asakura, il y a une fille, Minami, et nous sommes tous les trois nés la même année. Rapidement, on est vite devenus inséparables tous les trois, mais il paraît qu'on faisait beaucoup de bêtises quand on jouait trop. Nos parents ont alors décidé de construire une petite cabane de jeu sur le terrain commun. Étant gosse, c'était carrément notre salle de jeu. Mais depuis, ce lieu s'est transformé en ce qu'on pourrait appeler une salle d'études. Je crois que c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une fille dans notre trio. Ouais, une fille. Allez, vas-y, Kazuya! T'es le meilleur! Eh, vas-y, sors le batteur! Kazuya, je t'aime! Eh, Minami, t'as encore fait un tabac au dernier examen? Comment tu fais pour réussir aussi bien? Une chose est sûre, une mission sacrée semble être trônée au beau milieu de leur vie. La qualification au Koshien, le fameux tournoi national des siens de baseball. Bon, maintenant que t'as fini les pompes, on passe aux étirements. Eh, laisse-moi souffler un peu. Ok, Kachan, 30 secondes de pause alors. T'es un vrai tyran, ma parole. Moi, un tyran? Tu me remercieras bientôt, tu verras. N'oublie pas que tu viens juste d'arriver dans l'équipe de baseball du lycée. Et les éliminatoires arriveront très vite. Si tu t'entraînes pas à fond dès à présent, tu tiendras pas avec l'accumulation des matchs et la chaleur. Tu sais, c'est que ma première année de lycée. Je compte pas arriver au Koshien maintenant. Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que tu peux le faire dès ta première année. T'en fais pas. Je sais que c'est ton rêve et je t'y emmènerai. Tu verras. Oui. Oui, c'est mon rêve. Et ça, depuis que je suis toute petite. Un jour, j'ai découvert le Koshien à la télé. Je sais pas pourquoi, mais j'ai été ensorcelée par ce dossard numéro 1, celui du lanceur. Il dégageait une force. C'était impressionnant. T'imagines si notre lycée Meisei participait au Koshien? Et si en plus le numéro 1 de l'équipe, c'était mon... Ton? Mon ami d'enfance. Ce serait fabuleux, tu ne trouves pas? Et puis, ce serait pas à la télé, mais en vrai, dans les gradins. Ouais, c'est ça mon rêve. Et je te rappelle que t'as promis de réaliser mon rêve. Ouais, je sais. Mais à l'époque, on était gosses.
Je savais pas que ce serait si dur et qu'il y aurait plus de 3000 lycées en concurrence. Eh, mais la pause est dépassée depuis longtemps. Allez, on passe aux étirements. Oui, chef. T'es prêt? Je pousse, hein. Eh, vas-y mollo quand même. Allez, plus bas. Ah, ah, tu vois que t'es un tyran. Allez, pense aux cochonnes. Bien que tous les éléments soient réunis pour faire de Kazuya et Minami le couple parfait, la réalité, elle, était un tantinet différente. Allez, Tatsuya, bouge-toi un peu. Pourquoi tu restes tout seul enfermé dans ta chambre par cette chaleur? On a commandé des sushis pour la victoire de Kazuya, et c'est mon père qui paye, faut en profiter. Qu'est-ce que tu veux prendre? Allez, viens avec nous. Arrête de faire comme si de rien n'était. Hein? Ah, tu veux pas de sushis ce soir, c'est ça? Minami, je parle pas de ça, va. Mon match de boxe. Tu me demandes pas comment il s'est terminé? Défaite de Usugi Tatsuya. Harada me l'a appris au téléphone. Apparemment, t'as donné du fil à retordre à ton adversaire et ça s'est joué à rien. Il a dit que je pouvais être fière de toi. Il est vraiment bidon, ce type. Dis pas ça. Il a pas l'air commode, mais il s'inquiète beaucoup pour toi. C'est justement avec ce genre de comportement que je me sens plus que nul. Hein? Et pourquoi? C'est rien une défaite. En plus, c'était rien qu'un petit match amical de rien du tout. C'est même toi qui l'as dit. Je sais que c'était un match sans importance. N'empêche que... Tu m'avais demandé de ne pas le perdre, ce match. Je suis désolée. Mais tu comprends rien. En disant ça, je me sens encore plus minable d'avoir perdu. Bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Normalement, une gentille fille, elle offrirait une bise au perdant. Bon, je descends. On t'attend, dépêche-toi. Compliquer davantage cette relation triangulaire. Un drame allait survenir et... tout bouleversé. Out! Hé les gars, Kazuya est toujours pas là? Non. Personne sait où il est. Kuroki. C'est bon. Je vais faire le max pour le remplacer au lancer. Vas-y à fond. On compte sur toi jusqu'à ce que Kazuya arrive, ok? Vous inquiétez pas. Allez Kotaro, réveille-toi. Ok. Harada? Pourquoi c'est pas Kazuya au lancer? Bah... Nous sommes au début de la cinquième manche et l'équipe de Soumi est toujours à zéro point.
C'est au tour de Messe de lancer, mais Kuroki, le remplaçant d'Uesugi Kazuya, semble accuser le coup. Mais qu'est-ce que vous foutez, bon sang? Bougez-vous un peu! Oh là là! Heureusement pour Messe, la mortie n'a pas marché et Sumi reste à zéro point. Monsieur Uesugi? Oui? Je suis désolé, mais nous n'avons rien pu faire. Toutes nos sincères condoléances. Sumi vient de pâter le lancer de Messe. La balle part vers le champ droit et le receveur la manque. Et c'est un point pour Sumi qui ouvre le score face à Messe, qui reste toujours sans son lanceur vedette. Si vous saviez comme j'aimerais vous en dire plus, et vous montrer à quel point ce récit est riche. Mais le mieux, c'est de découvrir cette fantastique histoire par vous-même. Alors maintenant, allez lire la suite. Bon, si je veux moi aussi participer aux Koshiennes et conquérir ma bien-aimée, je vais devoir redoubler d'efforts. Alors je vous dis à bientôt, pour de nouvelles aventures, encore plus fabuleuses. Home run!